Alors, c'est parti pour le jeu. Let's go. Je sais plus pourquoi on était dans cette caverne, là. Vous voyez, c'est ça le problème quand on attend trop longtemps. C'est qu'après, on est dans des endroits trop baissés. Ah, j'ai trop baissé le son. Vous me dites, hein, au pire, je remonte. Ok, donc on était sortis de la ville et là, on arrive dans cette caverne. Graphisme de qualité, hein, bien sûr, que vous pouvez observer grâce à ce jeu. On venait de croiser celle que tu as nommée la grande méchante. Attends, c'est qui déjà la grande méchante? C'est un peu faible, ok, je remets un tout petit peu plus fort alors. Hein. Parce que c'est vrai que la musique est sympa, elle fait le charme. Ah oui! Quand plusieurs graines... Alors, quand c'est les textes, je fais pas l'accent MTV. Mais je vous traduis quand même. Quand 4 graines de pont s'alignent dans l'eau, elles éclosent et elles nous permettent de passer. En gros, c'est ça le truc. Donc le but, c'est de les prendre. Mais je l'avais déjà fait, ça, normalement. Ah, pardon, je laisse ça. Le RTX, c'est quoi le RTX? Voyez, on les prend comme ça, on va les aligner. Et ce qui va nous permettre de passer sans problème. Voilà, et comme elles ont éclos, on peut passer dessus, c'est incroyable. C'est quoi Sprout? Sprout? Ça veut dire éclore, je pense. Un monstre. Aaron Flex. Ah non, Aaron, pardon, qui flex. Aaron qui flex. Alors souvent, j'essaie de ne pas les combattre, donc nous aussi, on va flexer. Sprout, c'est une pousse. Alors je flex. Aaron flex deux fois plus. Et l'attaque augmente pour nous deux. Super. Un concours de flex? Ok. Je vais flexer encore plus. Oh putain, merde! Démonter. Voilà. Je me fais démonter. Aaron est ready pour mon prochain flex. Écoutez, on va faire... C'est quoi, chou? Ah oui, on dit à Aaron de partir. Genre comme dans la petite reine dans Storyteller. On lui fait ça. Bon, il m'attaque quand même. Hein. On essaie de tout éviter. Oh putain, je suis passée. Non, mais je suis passée entre les gouttes. Là, j'ai vraiment flexé, là. Là, j'ai flexé à fond, là. Oui, RTX, c'est une technologie pour avoir des lumières et des reflets réels. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je refais chou ou est-ce que je vais reflexer? Je refais un petit chou. Alors, contre toute attente, je suis assez forte pour éviter les gouttes, alors que d'habitude, pas du tout. Je crois que je suis obligée de flexer maintenant. Je flexe encore plus fort. Aaron flexe trois fois plus que moi. Et l'attaque augmente pour nous deux. Il me dit super. Par contre, je vais pas perdre celle-là, t'inquiète. Par contre, je me fais mais démonter sur ça, quoi. Mais laisse-moi. Je veux plus flexer. Laisse-moi. Il me reste combien? Oh, merde, il me reste que deux. Ah, je vais mourir. Ah, c'est bon, il est parti. Oh putain, j'allais mourir. J'ai gagné 30 or. Ok, parfait. J'ai failli crever. Par contre, là, il faut qu'on prenne un item pour se récupérer de la vie, là, parce que ça va pas le faire. Pourquoi il passe pas sur le pont? Ah, si. Les petits champignons, on peut les éteindre. Regardez. Il fait un bruit absolument incroyable. J'adore. Ah oui, là, c'était une astuce gros cerveau. Et j'avais trouvé assez vite en réalité. Parce que j'ai un très gros cerveau. On l'avait fait déjà la dernière fois. La musique est trop forte, ok, je rebaisse. Faudrait savoir, hein. Voilà, on va faire un petit pont à base de plusieurs plantes. Comme ceci. Parce qu'il fallait bien les caler quelque part. Et je sais que la dernière fois, j'étais allée voir... Putain, j'ai dû... Mais... Et c'est bon. J'étais allée voir la pancarte qui avait dit, en gros,
Vous êtes un peu débile de venir voir ce qui est écrit ici. Et la pancarte m'avait un peu bully. Mais non, c'était bien. J'arrive plus à vous comprendre. Sur cette histoire de... Ah, Ring. Hello, c'est Papyrus. C'est la voix MTV. Là, on l'entend plus. Ok, j'ai augmenté en mode juste milieu. Comment j'ai eu ce numéro? C'était facile. J'ai juste appuyé sur tous les chiffres de manière séquentielle jusqu'à ce que je tombe sur le tien. Yeah. Donc, qu'est-ce que t'es en train de porter? Mais enfin, elle a 12 ans, qu'est-ce qu'il me demande là? Je suis en train de demander pour un ami. Elle pense qu'elle t'a vu porter un bandana. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'es en train de porter un bandana? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, non? Ah, le bandana, c'était un item. C'était un item de combat, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Est-ce qu'on est honnête ou pas? La dernière fois, on n'avait pas été honnête. J'avais dit non. On dit la vérité? Bon, allez, on va dire la vérité. Rappelle-toi, il a un délire sur le bandana de l'amitié. J'avais oublié ça. Du coup, cette façon de jouer, je trouve ça incroyable. Ah, donc t'es en train de porter un bandana? Ok, je comprends. Wink wink, c'est clin d'œil. Allez, passe une bonne journée. Il raccroche. Donc je vous rappelle que j'essaie de parler en mode MTV Pimp My Ride. Les traductions toutes pétées à l'époque. C'est pour ça que j'ai cet accent. Ah oui, il y a cette histoire de fleur d'écho. Qui répète ce que les personnes ont dit pour la dernière fois. Donc, alors, il y a un long moment, les monstres auraient chuchoté leurs vœux aux étoiles dans le ciel. Si jamais tu espérais de tout ton cœur, ton rêve se réaliserait. Maintenant, on a toutes ces petites cailloux brillants sur le plafond. Qu'est-ce qui est dit là? Ah, c'est la salle des vœux. Oh non, j'ai un monstre. Mais j'ai plus que deux. J'ai plus que 2 sur 24. Bandage, bicycle. Merde, on n'a plus rien à manger. Oh, j'aurais dû revenir en arrière et sauvegarder pour la vie. Ciao le combat, c'est chaud là. Salut Carbon. Merde. Qu'est-ce que je fais moi? Bicycle? J'en sais rien. J'ai qu'une page de trucs en plus. Hein. Bandage. Ah oui, c'est bon, voilà. J'ai repris 10. Oh putain. Qu'est-ce qu'il me fait? Non! Je veux pas mourir. C'est bon. Il est en train de nettoyer une pizza? Je demande à Joshua de me nettoyer. Et il saute. Il saute autour de moi de manière excitée. Verbe dire propre. Pourquoi il me dit ça? Ah oui! Oh, faut que je récupère ma vie! La vie! Merde. Putain. Ok, je lui fais une blague. Je fais une blague à propos de deux enfants qui sont en train de jouer dans un parc, dans un jardin de fleurs avec de la boue. Salut Crélo! Cette blague est trop salissante parce que je parle de boue. Non! Enaf est morte. Enaf est morte, putain. En même temps, j'ai pas beaucoup de points de vie, là. Quel enfer. En fait, c'est dur, le RP, où il faut pas se battre. C'est pas facile, hein.
c'est vraiment pas évident. Là, par exemple, lui, à chaque fois, il m'attaque. Là, j'ai 24. On peut rappeler une mécanique de jeu que t'as pu oublier. Ouais, je veux bien. Si j'ai oublié un truc, je veux bien, ouais. Let's go. Pour le truc que j'ai oublié. Les saves redonnent de la vie. Ok, merci. Alors, au pire, oui, on retournera pour récupérer la vie. Et ben, on va lui reflexer. Je crois qu'au bout de deux fois, quand on flexe, il s'en va au bout d'un moment. Je suis nulle pour éviter les trucs. Ok, on flexe encore plus et après on va aller récupérer de la vie. Ouh putain. Voilà. Oh là là, il me reste plus que 4. C'est bon, il flex, il s'en va, c'est parfait. Voilà. Et on va aller sauvegarder. Pas le choix. Ah! Ok, on save. Voilà. Bien sûr, Lydia est Sagittaire. T'as la commande HPI qui balance des infos random. C'est très drôle. Ok. Les petites fleurs. Putain, faut refaire le coup des fleurs, quoi. Je crois que je vais aller re-save après ça pour pas avoir à le refaire à chaque fois. À mon avis, c'est un bon move. Mon avis. Oh non! Merde, je me suis gourée! Ah mais c'est bon, ça va être quand même ok. Non, merde, il faut qu'il soit aligné! Ah oh, putain, je me suis gourée. Il faut sonner la cloche. Putain. Mais quel enfer! Ok, là c'est bon. Ok. Let's go. Ah oui, trop beau la sérographie de Crélo. Si vous n'êtes pas sur le Discord, vous loupez des choses. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le Discord si ça vous dit. Le Discord des Loutos et des Loutas, il se passe des trucs. Déjà, il y a des commentaires live de Game of Thrones. Et c'est vraiment pas mal. Ok, je vais aller sauvegarder. La save strat, bien sûr. Ah, le pouic, il est exceptionnel. Voilà. On save. On save, on save. Attendez. Je vérifie juste un truc. Let's go. Let's go, c'est parti. Il paraît même qu'il y a déjà des VOD sur le Discord. Là, par contre... Oh non! Putain, ils sont trop... ils sont abusés, en fait. En fait, on peut pas faire ça. Non. Ah, oh, c'est pas sympa, ça. Ça, c'est vraiment pas sympa. Par contre, on réécoute les petits pouics. Ça, c'est très marrant. Non, 3, ça suffit pas, il en faut 4. Sinon, ça n'éclot pas, voilà, et on ne peut pas passer. Ok, bon, je vous refais pas le dialogue. Il me parle du bandana. Et je vais lui dire que oui, j'en ai un. Voilà. Ok, et il raccroche. Ok. Donc, les fameuses fleurs. Donc ça, c'est bon, on a lu... Les monstres, machin, qui chuchotent leurs vœux au ciel. Maintenant, il y a plein de petits cailloux lumineux. Ok. C'est la salle des souhaits. Des centaines de personnes qui souhaitent des choses en même temps, ça ne peut pas être mauvais. Le roi va le prouver. Allez, ma sœur, fais un vœu. Je souhaite que ma sœur et moi, on puisse voir les vraies stars un jour. Les vraies étoiles, pardon.
Les vraies stars. Les vraies étoiles. Alors, où je suis à... Oh là, c'est quoi ça? Oh, je l'ai attaqué. Merde, je l'ai attaqué. Je voulais pas forcément l'attaquer. Mais ok. Je lui fais une blague. Là, c'est ça qui marche avec lui, c'est lui faire une blague sur les enfants qui jouent dans un jardin boueux. Et du coup, il va arrêter de m'attaquer. Merde. Oh putain. Oh, ça a pas marché? Voilà, en fait, le mieux, c'est de se mettre le plus loin possible de son attaque. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Le toucher? Ah oui, il veut pas qu'on le touche parce qu'il est germophobe. Voilà, en fait, il suffit de se mettre dans un coin. Putain, je sais plus quoi lui dire. Mais laisse-moi. Ah. Oh non, juste avant que je récupère une vie. Allez, on lui refait la blague. On lui a fait une blague de quelqu'un qui... J'ai pas bien compris, mais... Merde! Mais laisse-moi tranquille! Il m'enlève trop de vie! Qu'est-ce qu'on va faire? On refait une blague? Ça bouge un peu à chaque fois. Mais c'est un truc de ouf. Il veut pas s'en aller quoi. Peut-être j'aurais pas dû l'attaquer. J'ai pas fait exprès. Hein. Bah clean, hein, je sais pas moi. Il veut toujours pas partir ? Par contre, on peut récupérer des vies grâce à ça. Donc voilà, il suffit que je me mette comme ça. Voilà. Ouf. C'est bon, j'en ai récupéré une, je crois. Ah, c'est bon. Attendez. On peut le... Comment on dit déjà spare? Chaque fois, j'oublie ce mot. On peut l'épargner, voilà, c'est ça. Je regarde à travers le télescope. Oh. Oh, c'est beau. Check wall. Regarde un peu tout. Ok. Ah, il semble que mon horoscope soit le même que celui de la semaine dernière. Oh. Une porte qui s'est ouverte. Oh, c'est beau ici. Qu'est-ce que ça dit? Une écriture ancienne recouvre les murs. On peut essayer de la lire. La guerre des humains et des monstres. Ah, ça c'est écrit la guerre des humains et des monstres. Là-bas, c'est pas une... Ah, je croyais que c'était un escalier. Pourquoi est-ce que les humains attaquent? En effet, il semble... qu'ils n'aient peur de rien. Les humains sont incroyablement forts. Ils pourraient prendre l'âme de n'importe quel monstre. Ça pourrait prendre l'âme de n'importe quel monstre pour égaliser le pouvoir d'une seule âme humaine. Mais les humains ont une faiblesse. Ironiquement, c'est la force de leur âme. Son pouvoir lui permet de persister à l'extérieur du corps humain, même après la mort. Si un monstre attaque un humain, il peut prendre son âme. Un monstre avec une âme d'humain, c'est une bête horrible avec un pouvoir incommensurable. Je sais pas si j'ai bien traduit. C'est une illustration d'une étrange créature.
Il y a quelque chose de très troublant à propos de ce dessin. Oh ! Un petit pont ! Inconcevable ! Ah oui, Unphasm, c'est inconcevable. Ok. Oh, c'est beau ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh ! Pardon ? Ah oui, c'est les... Oh ! Oula ! Mais laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu m'attaques ? Pourquoi il m'attaque, lui ? C'est le garde qui m'a presque vu la dernière fois. Oh ! Ok, c'est bon, on y est. Oh putain, j'ai perdu qu'une seule vie. Pour le moment. Ah, là, c'est pas mal parce que je suis cachée. Il me voit pas, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh putain, j'ai fait un truc, mais... Quoi ? Bonne chance. Il m'a trouvé ! Je suis là ! C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune ? Il a cru qu'il m'a tué, mais en fait, il m'a pas tué. C'est bon, il m'a pas tué. Oh. Yo, est-ce que t'as vu ça ? Undine ! Je viens juste de me toucher. Je vais plus jamais laver mon visage. Oh là là, t'es tellement malchanceux. Si tu t'étais mis juste un peu plus sur la gauche. Mais t'inquiète pas, je suis sûre qu'on la reverra. Ah oui, c'est le fanzouz, lui. C'est le petit enfant. Oh, c'est beau, ça. Alors, ce fromage est là depuis tellement longtemps. Un cristal magique a commencé à grandir autour de lui. Il est collé à la table. Mais à chaque fois, il y a des trucs collés à la table. Et là, il y a toujours une souris. Squeak, ok, on save. Alors, en sachant que la souris... Il y a toujours des phrases, en fait, quand on save. En sachant que la souris pourrait peut-être un jour récupérer le fromage dans le cristal mystique... Cela te remplit de détermination. Prochain RP avec cette voix. Oh, c'est sans lui, non ? C'est un vieux télescope. Eh, je pensais me mettre dans le business des télescopes. Normalement, c'est 50 000. C'est quoi G déjà ? C'est le... Ah, normalement, c'est 50 000 pièces d'or. Pour utiliser ce télescope premium. Mais, comme je te connais, tu peux l'utiliser gratuitement. Qu'est-ce que t'en penses ? Use le télescope, oui. Ah bah super, on voit rien. C'est de la merde son télescope, on voit que dalle. C'est quoi ce télescope de merde là ? Là j'ai vraiment tout fait, on voit que dalle. Ok super. Merci, Sang. Est-ce que je lui dis que c'est de la merde ? Alors, t'es pas satisfait ? T'inquiète pas. Je te donnerai un remboursement, mais j'ai pas payé de toute façon. Non, je m'en fous de la boîte. Oh, c'est qui lui ? C'est quoi une étoile ? Est-ce que tu peux la toucher ? Est-ce que tu peux la manger ? Est-ce que tu peux la tuer ? Que t'es une étoile ? J'ai du mal à faire les voix différentes. Hein, on remarque un problème pour faire les différentes tonalités quand même. C'est quoi ça ? Oh ! Oula ! C'est un sacré labyrinthe là. On entend une conversation à côté.
Alors, tu n'as pas de souhait à faire? En fait, ces fleurs, à chaque fois, elles répètent les trucs qu'elles ont entendus. Juste un seul, mais il est un peu stupide. Oh, c'est un labyrinthe de ouf, là, je sais pas par où aller. Oh, on m'appelle. Oh, salut, c'est Papyrus! Tu te rappelles quand je t'ai demandé à propos de tes vêtements? Eh bien, l'ami qui voulait savoir. Son opinion de toi est très... assassine. Mais je pense que tu sais déjà ça. Et parce que tu sais ça... Du coup, je lui ai dit ce que tu m'as dit que tu portais. Un bandana. Parce que je sais, bien sûr. Après une question aussi étrange. C'est sûr que t'aurais changé tes vêtements. T'es tellement intelligente. Du coup, comme ça, t'es... Comme ça, t'es pas en danger et j'ai pas menti. Il n'y a aucune trahison nulle part. Être ami avec tout le monde, c'est tellement facile. Bah, meurtrière, assassine, pareil. Du coup, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, c'était Undine qui m'a demandé quel truc je portais. Ah, c'est bon, on peut partir direct. Du coup, en fait, ça veut dire qu'il faut pas que je porte de bandana parce que sinon elle m'aurait retrouvée et tuée. Lui aussi, il sait que t'es HPI, évidemment. Ça dit quoi? Dis pas ça. Allons, j'ai promis que je rirai pas. Est-ce qu'on peut te dire si tu loupes quelque chose? Oui. Allez, oui. Mais sans dire ce que c'est exactement. Oh putain. Oh non. Alors, le Aaron, on sait qu'il faut flex. On sait qu'il faut flex pour lui. Oh putain, mais c'est double attaque, mais ils sont tarés! Mais ils sont fous! On reflexe et a priori il va se barrer. A priori, voilà, si je reste dans un coin, bon, je perds des vies quand même, hein, mais. Putain! Il se barre pas, mais je croyais qu'il allait se barrer! Ah voilà, il flex, il s'en va. Et lui, merde, c'était quoi déjà? Oh putain! Oh! Mais il va me tuer lui. Ah non, lui il est super dur à faire partir. Merci Dawad pour ton abonnement offert, merci beaucoup. On va faire une blague. Des enfants qui jouent dans la boue. Du coup il est horrifié. Oh putain. De voir des enfants jouer dans la boue. Oh putain, ça va vite. Joke. Oui, c'est un savon en fait qu'on voit. Ce truc-là, c'est un savon. Oh putain, c'est bon. Laisse-moi partir! On va dire clean. Je me suis mis pile sur la mauvaise. Hein? Ah, c'est bon. Let's go. Salut, Vépiru. Alors, ça dit quoi? Le pouvoir de prendre leurs âmes. C'est ce pouvoir que les humains, dont les humains ont peur. J'ai aucune idée de si je suis passée au bon endroit. Ouh, c'est quoi ce truc? Oula! Est-ce que c'est une bonne chose? Je peux plus marcher? La gueule du truc! Hey, salut! J'ai remarqué que t'étais là! Je suis Onion-san! Oh, la gueule du truc, c'est incroyable! Onion-san, je peux lui parler? Non?
Oui, je sais qu'il y a un patch FR, Thordgrim. Mais je voulais faire des trades MTV. T'es en train de visiter les chutes d'eau, hein? C'est sympa ici, hein? T'aimes ça, hein? Eh, hey, oui, moi aussi! C'est mon endroit favori. C'est un oignon, ouais, c'est ça, hein? Il me suit. Mais malgré tout, l'eau commence à devenir pas mal trouble par ici. Oui, on prend les trades MTV, exactement. Je dois m'asseoir vers le en bas tout le temps, mais... Eh, hey, c'est ok. It's moving to... c'est mieux que de déménager dans la ville. Ou d'habiter dans un aquarium bondé. Comme tous mes autres amis ont fait. La gueule, j'aime trop la tête du truc. Et de toute façon, l'aquarium est plein, donc même si j'avais envie, je... C'est ok, t'entends? De toute façon, Undine va tout réparer. Je pourrais partir d'ici et vivre dans l'océan, tu m'entends? Hé, hey, ici, c'est la fin de la pièce. Bah, je te reverrai plus tard, hein, passe une bonne journée. Dans les chutes de haut. Ok. Ok, bon, c'était un oignon plutôt sympa. Ouais, j'essaie de faire une voix différente, mais... C'est pas mon skills principal. Shridon, mais c'est quoi ce monstre encore? Il se cache dans un coin, mais il me rencontre quoi de toute manière. Eh ben écoutez, je vais lui sourire. Et je lui demande de sourire lui aussi. Mais il devient de plus en plus silencieux. Ça va. Je continue à lui sourire. Mais rien ne se passe. Putain, vous allez voir que je vais quand même me faire toucher par les trucs. Il pense à faire un karaoké lui-même. Par lui-même. Qu'est-ce que je fais? Je continue de sourire. Shiren. Ah oui, Shiren, pardon. Je l'ai mal lu, le truc. Ce petit son. Bon, on va faire hum, du coup. Ah, je chuchote une balade de jazz. Ok, c'est bon, on peut se barrer. Ok. Shiren. Oh, la chambre au nord. La pièce au nord cache un grand trésor. On y va ou pas? Shiren like a diamond. Oh, c'est quoi ça?